Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. Mais de quoi me dites-vous? Mais de Mario Kart, évidemment! Alors, donc, dans cet épisode, on va se faire la bonne vieille coupe en 150 qu'on connaît bien, en prenant Luigi! Parce que pourquoi pas? Et on va faire la Star Cup! Voilà! Allez, on va espérer que ça crache pas jusqu'à la fin. Alors, Wario Stadium, donc, la première course, et on va cut partout, je vous préviens. Alors, on va essayer de trouver les nouveaux cuts. D'accord, si je me gourde de boutons, effectivement, ça n'avance pas. J'avais pas le doigt sur la bonne touche, c'est pas grave. Allez, on se fait un petit tour en 10 secondes. Ah, dommage. Bon, Luigi, tu te calmes. Ça va pas... C'est pas le fait de foncer dans le mur qui va le détruire. On va juste faire le tour, on va sauter par-dessus, et ça va être magistral. Voilà, c'était un fail magistral. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose là, non? Voilà, et là t'y arrives, hein. Putain de merde. Plombier à la con. Alors... Ah oui, je vous préviens, comme d'habitude, évidemment, on va expérimenter tout ce qu'on peut, hein. Genre là... Oh, merde. Genre là, par exemple, il n'y a absolument rien à expérimenter. Si ce n'est ça, mais ça sert à rien. Ah, mais attends, ça fait cut de l'autre côté. Non, je dis des conneries. Oh, par contre, Luigi, tu t'es mis en mode savonnette, là, ce que je vois, hein. Ah, prenez-vous tout ça dans vos cœurs. Pendant que je dérape vers la victoire. Oh, ça aurait été trop classe. Je sais pas si on peut passer comme ça cette année, mais bon. Bon, écoutez, pour une fois, on va faire la course normalement, hein. Du coup. Une rouge dans le mur, c'est toujours la stratégie efficace, hein. Allez Wario, regarde-moi ça, ce 720 des ténèbres, couplé d'un salto arrière, avec saut mural. C'est pas facile à faire, il suffit de foncer dans le mur comme une brêle. Alors, ça c'est raté, ok, le champilol. Juste assez vitesse pour faire ça, non d'accord. Ah, c'était ridicule. Luigi, tu es ridicule. Et c'est pas parce que c'est moi qui le contrôle. Voilà, non ça passe pas, définitivement. Oh putain, bon. Que ceux qui comprennent quelque chose mettent un pouce vert. Non mais pourquoi ça passe pas là? Oh dommage. Non attends, merde, c'est pas ce bouton, on se calme. Bon, et si on le passait finalement normalement ce virage, hein? Je pense qu'on peut, hein, voilà, comme ça, c'est bien. Je vous avais prévenu. Alors, tour 2. Oh, même ça passe pas. En fait, je crois que j'appuie trop tôt. Ouais, j'appuie vachement trop tôt là, par contre. Ça va pas le faire, il faut que je passe. Luigi, voilà, merci. Ensuite, il faut que j'aille à l'envers, il faut que je passe ici. Non, ça passe pas, tant pis. Est-ce qu'une rouge... Eh non, elle va me... Je crois qu'elle a bien failli me revenir dans la gueule. C'est pas grave, on va faire la course avec les autres, hein, cette fois. Tant qu'à faire. Oh, bah allez, hein. Pourquoi pas. Et puis on va réussir ce cut du départ. Non, toujours pas. Il y a un timing de malade sur celui-là de cut, c'est un truc de fou. C'est encore pire que pour les autres. Je sais pas pourquoi, alors que le mur c'est à peu près le même, hein. Mais c'est pas tout à fait le même. Ceci explique donc cela. Bon, finalement, on a pas découvert de trucs nouveaux, là. Si ce n'est qu'une petite rouge dans la gueule à Toad, ça peut pas lui faire de mal. Putain, je voulais passer, moi. Je voulais pas déraper comme une brêle, encore, une grosse merde. Putain, attends, vous savez quoi? On va le refaire, et il va passer. Ou pas. Ouais, voilà, bon. Je suis donc 8ème d'assez loin, hein. C'est assez clair. Mais j'ai une carapace bleue, et ça c'est pour vos gueules. Alors on va tenter le cut ici. Ça passe. C'est beau. Là ça passe aussi, c'était très classe. C'était carrément badass. Et ça passe pas, c'était nul à chier. Oh lol. Ah, j'avais pas que les rouges. Et ouais, du coup, j'avais pas que les rouges pouvaient grimper ce mur. Intéressant ça, tiens. On va retenter le cut une fois, histoire de dire. Bon, il passe pas. Ouais, regardez. C'est marrant. Là, t'as avec un peu de vitesse. Ah, remarque, non, elle m'a pas trouvé la rouge. Attendez, on va peut-être révolutionner quelque chose, là. Ah, ça, c'est la bleue.
La bleue que j'ai lancée tout à l'heure. Hé, la rouge. Ah, la rouge. Je suis là. Connasse. Bon, vous savez quoi? Voilà, on va continuer, hein, tout simplement, calmement, dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Et tout ce genre de choses. On va quand même tenter de le placer, le code de la fin, là. On ne sait jamais. La petite banane. Voilà pas, donc ça passe pas. Je crois que j'ai vu passer la rouge de l'autre côté, par contre. Pas sûr. Je sais pas, j'ai vu passer un truc. Alors là, on va essayer de faire premier, en fait, parce que là, il me rattrape, hein. Ça va être chaud bouillant patate. Remarque, non, j'ai eu pitch avec la verte. Ouais, je suis passé 8ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça passe. Ah, oh, c'était classe. Non, mais c'était classe, ça va. Je mérite respect. J'ai gagné. Par contre, what the fuck? Pendant le saut, je suis passé dernier. Mais qu'est-ce que ce jeu encore? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Bon, bref. Premier, donc. Prévisible, facile, parfait. Moi, quoi. Allez hop, deuxième course, Sherbetland, let's go! Dans la glace, les pingouins et les ténèbres. Parce que oui, dans le doute, mettez quand même les ténèbres. Alors, on va je vous dis, si j'ai un turbo, je veux bien tenter quelque chose de débile, hein, mais si j'en ai pas, ça va être plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans cette course, à part gagner, hein. On va tenter un YOLO 4 vertes. Bon, j'ai eu personne, tant pis. Ça se tentait, hein, franchement. Merde! Ça, par contre, c'est pas normal. Bordel de merde. Ça passe. Ok, Todd, merci de... Par contre, pas merci d'en avoir pris deux, hein. Et Bowser, merci de dégager de ma route, parce que le gagnant, ça doit être moi. C'est pour ça que j'ai lancé une verte dans la glace, c'est pour lui apprendre le froid et les ténèbres. Et c'est pas du tout parce que j'ai merdé en la lançant, non. Voilà, ça par contre... Oh, j'ai eu Peach. J'ai eu Peach. Bah, c'est bien ça. Et je crois qu'elle est tombée dans la glace en fait, hein. Enfin dans l'eau. Enfin je suis pas sûr. J'ai un turbo, je tente un truc débile au hasard. Du genre pas ça. Je sais même pas ce qu'on peut tenter ici en fait. Ouais, je sais pas trop. Honnêtement, je crois que, en fait, non, hein. Bon, on va peut-être arrêter de le tenter, celui-là. Ok, je suis cinquième. Ça va pas, donc, hein. Mais ce n'est que le deuxième tour. Ouh, c'était classe. Ouh, c'était moins classe. Ça avait une certaine classe, mais une classe très certaine, quand même. Qu'on appelle la classe certainement pas. Alors que Todd s'est pris sa banane devant nos yeux, c'était fantastique. Il y a quelqu'un d'invisible devant, là. Il va se prendre trois rouges dans la gueule. Si toutefois c'est vrai... Attends, what? Ou alors c'est des rouges qui sont vraiment très connes, en fait. Hein. C'est mes rouges, elles sont bourrées, elles ont bu, quoi, c'est... Ok, moi j'ai une étoile, je m'en branle total de tout. Et là, il y a Bowser, parfait. Ouh, étoile plus champignol. D'ailleurs, fait intéressant, on ne peut pas utiliser le champignon pendant l'étoile. J'ai essayé, là, mais ça n'a pas marché. Vache. Ouais, d'accord. Ça aurait été bien sans le blocage dans le mur. Oh, Yoshi, il est là. Et Yoshi, il est plus là. Et voilà comment on finit premier. De très 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 près. Mais c'est pas grave, j'ai fait premier, je m'en fous du reste. Rien à battre, quoi. Alors, j'ai fait premier de... Ouais. De combien ça fait? De 17 centièmes de seconde. Mais tout va bien. Alors, 18 points, donc ça c'est cool. C'est assez rare hein, de faire 18 à ce stade maintenant. Hein. Parce que je suis une merde. Bon. J'ai envie de tenter des cuts dans cette course, mais elle est connue pour crash. Donc je vais faire un save state. Et au pire, on reprendra d'ici. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait de cette solution, parce que ça sera la seule... Ouh la vache, c'était risqué pour rien, ça. J'aime le risque, même quand c'est pour rien. Tadam.
et on va passer par là parce qu'on est très très con et qu'on l'a jamais fait en 92 épisodes. Remarque, non, attends, c'est combien celui-là? C'est le 87. Et ouais. Je sais compter jusqu'à 87. Après, je suis pas sûr de ce qui vient, je crois que c'est 322. Alors... Bon, on va tenter le gros cut des ténèbres, celui que j'arrive jamais à faire. Parce que il va passer, hein. Ah, il est bien, il est bien. Ah, non, je suis pas sûr. Non, je crois pas qu'il soit passé, là. Eh non, pas assez loin, dommage. Pas assez loin, parce que je me suis pris le mur, en fait. Là, par contre, il est magnifique. Et il passe, yes. Alors, il passe, est-ce que ça va cracher? Le suspense. Oh, what? Mais il était passé! Snap, pas content! En plus, l'objet tombe parfaitement bien. Ok. Alors, 3 turbos, ça veut dire qu'on va en garder un pour cut. Rien à foutre. Deuxième tour, je suis dernier. Les autres sont devant, c'est logique. On va cut, on va cut, on va faire le cut. La 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 la, on va faire le cut. C'est la danse du cut, dansez tous avec moi. Pendant que je rate le cut comme une grosse merde. Oh la vache. Pas facile hein cet épisode. Bien que j'ai fait deux fois premier, je sens que là je vais pas l'être. Je sais pas pourquoi, une intuition comme ça. Je sais même pas si je vais être dans le top 4. Nous ne saurons jamais. Si on le saura dans 2-3 minutes, tant que je finisse. Allez, un éclair dans vos gueules déjà. Ça, c'est fait. Ouh la vache. Donkey Kong, je t'aime pas, dégage. Mario, je t'aime pas non plus. Mais dégage pas parce que je peux pas. Wouh, j'ai sauté devant lui comme un gros connard. Lui, il a rebondi, moi non, je ne comprendrai jamais pourquoi. Dégage. Ensuite, Todd. Tu dégages. Ensuite, je pense qu'on peut rattraper les autres. Une étoile. Mais dis donc, c'est bien, ça. On va la garder. Merde, 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 merde. Ah, putain. Bon, on va pas la garder. On va démarrer plus vite avec. Voilà. Allez, vas-y, Luigi, fonce un peu, bordel de merde. Donne-moi un turbo, donne-moi un turbo, donne-moi un turbo. C'est un turbo. J'en ai de la chance. Bon, ne pas fourrer le cut cette fois, ça serait cool. Voilà. Ça, c'est du bon gros cut comme on les aime. Et le jeu n'a pas l'air de cracher en plus, donc on va faire une save. Hein. On sait jamais, bordel de merde. Et voilà, le dernier saut avec toujours pas de rebond. Je ne comprendrai donc jamais. Ok. Et... Luigi, number one. Number one. Oh yeah, bitches. Ah, ça faisait longtemps, ça, putain. Faudrait que je le dise plus souvent. C'est quand même ma phrase culte, quoi. C'est ma phrase d'accroche. Et 27 points, donc ça veut dire que pour une fois, j'ai gagné, ça y est. On y est. J'ai enfin gagné une putain de coupe. Enfin, de sûr, je veux dire. J'ai 27 points, c'est rare. Oh la vache. J'ai pas fait de la merde. Enfin, si, mais pas totalement, quoi. Bon, bah écoutez, on va faire le château de Bowser. Le château des ténèbres. Le château le plus badass de tous les temps. Oh yeah. Avec les ennemis en forme de Peach dedans. Avec la texture de Peach, fantastique. Et Peach qui s'est pris ma grosse banane. Parce qu'elle adore ça, la salope. Alors... Ok, ouh la vache. Ça va, ça passe, tout va bien, c'est parfait. Ouais. Ok. Un bon premier, putain c'est rare ça. Attends, vas-y, reste derrière toi. Vas-y, tu vois une banane devant toi. Mais oui, fonce dedans, t'as raison. Il est con ce ton. Et alors, on va sauter de là avec un petit 360 des ténèbres pour le lol, pour le style, parce que quand même. Encore un bout, bah dis donc décidément. Oh, attendez, plein de boue avec Luigi dans un château. Mais c'est Luigi's Mansion, en fait. La vanne facile. Et en plus, il y a Bowser qui me fait chier. Et en plus, ouais, c'est Bowser, c'est le dernier niveau, quoi. LOL, mais on est vraiment dans le château de Bowser.
Bon, par contre, là, j'ai foiré, c'est pas grave. Merde. Non. Voilà. C'est bon. En plus, ça fait des bruits d'aspirateur. Je suis sûr, hein, c'est ça. Ce jeu a annoncé Luigi's Mansion bien avant qu'il sorte. Oh la vache. Par contre, là, je suis quatrième, ça va pas, là. Je sais que j'ai gagné, mais j'aimerais quand même bien continuer mon palmarès de victoire. Enfin, remarque, Peach s'envole, là, donc je pense que c'est mort. C'est le seul Luigi's Mansion où on doit sauver Peach, hein. Va rattraper Peach. Va choper Peach. Pour ensuite l'enculer sauvagement dans les... Enfin, dans les douves du château. Ouh, c'est bon, l'éclair de Ziem. Ce jeu, c'est tellement n'importe quoi, putain. Ah, je suis pas sûr qu'elle soit pris l'éclair, en fait. On dirait qu'elle a... Elle s'est pas pris l'éclair. Alors que les tours portent une texture de banane, putain, c'est trop con. Je passe. Ok, ouais, Peach, elle s'est pas pris l'éclair. C'est quoi ce bug? C'est quoi ce cheat? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce jeu qui... En plus, il y a Bowser là maintenant. Ok, bah ce fut bref. Ouais, non, mais là, Peach a gagné. Y a pas de. Tu peux pas rattraper ça, quoi. Ah, putain, ça prend pas les éclairs. Attends, c'est quoi? Oh, what? Attends, elle est là. Putain, tout est. Oh merde. Bon, tout était possible. Ouais, bon, bah tant pis, hein. Ah, fuck. Bon, deuxième, c'est cool. Mais en même temps, quand les bots ils cheat à ce point-là. Regarde, là, l'éclair, je me le suis bien mangé dans la gueule, quoi. Peach derrière, est-ce qu'il est toujours pas pris? Qu'est-ce qui se passe? Y'a un truc là. Ou alors elle était miniature, j'ai pas fait gaffe. Bon bah, en tout cas, 33 points, ça me suffit pour être premier. Regardons donc ma victoire légendaire. Ce que je comprends pas, c'est que cet épisode, il était super long. Enfin, je veux dire, ça fait 17 minutes là. Remarque, non, c'est vrai que la première course, on l'a quand même pas mal faite normalement, finalement, presque. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est... Ouais, ça va, ça convient comme temps. Ok. Bon. Bah, nous voilà donc au podium avec ma victoire en haut du podium. Et Bowser 4ème, bah, c'est bien fait pour Tech. Donc, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le suivant, évidemment. Même dans le précédent, d'ailleurs, si vous voulez. Et sur ce, moi, je vous dis donc salut à tous. Portez-vous bien. Et joyeux Noël! Yeah!